On en prend plein les yeux, on en a plein les jambes, mais on en prend plein les yeux aussi. C'est l'histoire d'une course folle, 140 km pour 8000 mètres de dénivelé sur les sentiers de la Réunion, l'île intense, entre Saint-Philippe et Saint-Denis. Ils sont plus de 2000 cinglés, venus des quatre coins du monde pour vivre cette aventure extrême. Quelles sont les motivations pour faire un grand raid ? Le bien-être dans la vie. Récupérer du travail, ça permet quand on fait ça de sortir du travail et de s'entraîner, de faire autre chose que de penser qu'au boulot. Pour prendre le départ de cette folle diagonale, il faut tout d'abord satisfaire au contrôle obligatoire des sacs, gage de sécurité pour le long périple solitaire qui s'annonce. Quels sont vos objectifs pour cette diagonale ? Pour le moment, aucun objectif, c'est ma première participation. Donc le but, c'est de terminer, pas casser, donc en forme, voilà. Je ne sais pas, mais c'est grandiose, c'est un truc grandiose, il faut faire quoi. En tant que Lyonnais, il faut faire quand même quoi. Ah mon frère, ça est dur là-haut, hein. Ça ils attendent à nous là-haut, là, c'est pas un gâteau. Hein. Le nom porte bien son nom, hein. Diagonale des fous, hein. Donc voilà. Et est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout ? Oh oui, sûrement. Même si on doit souffrir, on doit arriver jusqu'au bout. Prêt pour partir, avec impatience, et essayer d'arriver au bout. Deux heures du matin, c'est enfin parti pour cette 13e édition de la Diagonale des Fous. Rendez-vous dans quelques dizaines d'heures au stade de la Redoute à Saint-Denis. Parmi l'impressionnante foule qui se presse au départ, il y a les plus grands spécialistes de la discipline, ces fondus de course ultra qui veulent accrocher le grand raid à leur palmarès. C'est parmi eux que sera sacré le roi des fous. En bonne place, les favoris réunionnais emmenés par Richeville Esparon et le jeune espoir Wilfried Oulédi prennent la direction des opérations et impriment un rythme particulièrement élevé sur ces premiers kilomètres. Eddy Myrtal, grand favori de cette édition, est légèrement en retrait. Thierry Teicher, vainqueur en 2000 et 2002, a pris quelques centaines de mètres d'avance et tourne en tête à la sortie de Saint-Philippe. L'immense cohorte lumineuse s'engage au milieu des champs de canne à sucre dans la nuit tropicale. Ça part fort, hein ? Ça part trop fort. Ils ont oublié qu'il y avait 140 bornes. Le grand raid, je crois que c'est la première et la dernière fois que je fais. La première partie de 50 km mènera les coureurs jusqu'à Marabout avec la terrible montée du volcan dans les 30 premiers kilomètres pour prendre 2400 mètres de dénivelé. C'est dans la nuit froide que la plupart des raideurs feront cette ascension. Au poste du volcan, le thermomètre affiche 3 degrés. On se réchauffe, emmitouflé, en attendant les premiers passages. 5h35, c'est Thierry Teicher et Wilfried Oulédi qui surgissent les premiers de la nuit, dans l'aube grise du volcan. 976 et 895. C'est bon, hein? C'est bon, nous retournons en Marabout là en bas. Marabout, on est bien, ouais. On retourne aussi la fin. Allez, bouchez les gars, allez, accélérez les gars, allez, rangez l'assistance. À peine ravitaillés, ils taillent déjà leur route vers les laves de la plaine des sables. 398. Cyril Montaigu est là. Puis ce sera au tour de Richeville Esparon et Vincent Dolbar de pointer à quelques 5 minutes. Charles-André Fontaine passe discrètement et s'en va grossir le rang des poursuivants. En minutes, j'aime bien savoir. Derrière, et pendant de longues heures,
le sentier du volcan va cracher la longue cohorte des trailers venus fouler la lune, seuls ou en petits groupes. Danielle Zeroc, première femme, pointe au volcan avec plus d'une demi-heure d'avance sur ses poursuivantes. Je veux mon t-shirt jaune, je le répète. Ça se passe bien ? Écoutez, pour l'instant, ça se passe bien, oui. Mais bon, le raid n'est pas fini. Sandrine Béranger et Christine Bénard s'en repartent après une courte pause. À 6h15, pleine des Cafres, la tête de course approche du poste de marabout. À 50 km de course, Wilfried Houledi a pris les commandes. Vincent Dolbar est déjà là, en seconde position. À 6h34, Houledi repart le premier. Les leaders se succèdent dans un mouchoir de poche à l'assaut de la deuxième grande difficulté du jour, l'ascension vers Kervegen. 9 km de grimpette éprouvante où les hommes de tête vont se livrer à un véritable mano à mano pour s'emparer du leadership et prendre l'ascendant sur leurs adversaires. Coup de théâtre. Thierry Técher, victime d'une défaillance, est contraint à l'abandon. Et quand on doit abandonner, non pas sur un problème physique, mais... Ça, oui. Je sais pas, c'est le sport. La partie suivante conduit de Marabout à Sillaos, 900 mètres de dénivelé jusqu'au coteau de Kervegen, avant la bascule infernale vers Sillaos. Dans Côte-aux-Maigres, Vincent Dolbar durcit la course et passe en tête. Wilfried Houledi et Montaigu gèrent avec calme et sagesse cette longue ascension alors qu'Esparon et Fontaine, en parfaite connaissance des lieux, restent au contact à quelques minutes. Bien clair là, ok ? On attend les raideurs, voilà. Kervegen, kilomètre 60. Delbar, moins véloce que l'an passé, pointe en tête. Elle est où la soupe, s'il vous plaît ? Une petite soupe, mais pas soupe alors. Allez, un coca. 895. Christian, 895. Non, c'est bon. Vous allez faire route ensemble ou pas ? 895. Sur les talons de Vincent, Houledi se ravitaille rapidement et repart. En compagnie de Montaigu. Quelques minutes plus tard, il bascule dans la vertigineuse descente vers Sillaos. Un véritable plongeon dans l'enfer vert sur un sentier technique où s'expriment les exceptionnelles qualités de descendeur d'Esparon. Loin de la bataille de tête à l'arrière, le milieu de course est toujours en train d'en découdre avec l'univers lunaire de la plaine des sables. C'est pas fini, hein. Il y en a encore un bout. Chacun à son rythme et à son niveau construit dans ces paysages fantastiques sa propre diagonale, certain de vivre une passionnante rencontre avec lui-même. Le cœur, les membres, tout est sollicité, tout est, on prend des risques tous les deux secondes. Une pierre mal ajustée et puis c'est réglé, c'est fini. À 9h50, Sillaos, Dolbar mène toujours la danse à la mi-course. À 70 km de course, rien n'est encore joué. À la porte de Mafat, les prétendants sont encore nombreux et le pronostic reste plus que jamais ouvert. Thank you.
Et là, bon, maintenant, on a pris le rythme de croisière depuis Marabout, donc ça va un peu mieux. Ça ralentit derrière, ça ralentit devant, ça craque un peu partout. J'espère que je vais arriver à Saint-Denis. Pour l'instant, tout va bien, chaque chose en son temps. Je voulais essayer de se battre devant. Chaque chose en son temps. On ne fait que commencer. Derrière, une autre course se dessine. Il n'y a même pas de boue à Marabout. Non, c'est bien. Voilà, c'est génial. Ah ouais, je veux absolument aller jusqu'au bout. Ouais. C'est trop dommage d'être venu et puis pas profiter au maximum et puis de voir un petit peu l'ambiance qu'on peut arriver à trouver sur le stade de la Redoute. Un petit massage. Dans Kervegen, Daniel Zerok est toujours en tête, mais ses poursuivantes se rapprochent. Ah oui, pressé d'arriver à Sillaos. J'espère que ça va aller comme ça jusqu'au bout. Hein. Bon, au début j'ai des crampes, mais maintenant ça va. Gérard, 318, au poste de Kervegen, comme tout au long du parcours, des centaines de bénévoles prennent soin des concurrents. Pas de bobo, rien du tout. Et le moral est bien. Ah, il faut être gentil avec les femmes. Hein. Allez, ciao, ciao. Simone Kaiser, deuxième femme et deux fois vainqueur de l'épreuve, s'en repart, talonnée par Sandrine Béranger qui fait une remontée régulière. La troisième et dernière partie commence par le franchissement du col du Taïbit, puis ce sera la traversée intégrale du cirque de Mafat et la terrible montée de deux bras avant l'ultime manœuvre d'approche vers Saint-Denis. Lorsque les grands raideurs ils arrivent, hein, ils ont 80 km dans les pieds, c'est le début du cirque et ils ont quand même encore une bonne soixantaine de kilomètres à gérer avec des conditions de dénivelé. On a deux tentes qui permettent le repos des gens qui arrivent un peu fatigués. Là, il le temps de récupérer, on leur donne à manger, un peu de réconfort. S'il n'y a pas de soucis particuliers au niveau du médical, ils peuvent repartir et puis voilà. Dolbar est toujours leader. Il souffre de la cuisse et ne s'attarde pas. Mais la montée du Taïbit a fait des dégâts et bousculé l'ordre des hommes de tête. Esparon a déposé Montaigu qui accuse une petite baisse de régime. Et Ouledi, victime de crampes. Fontaine, tout en souplesse, revient au contact de la tête et, très lucide, décide de s'accorder une vraie pause pour se restaurer. Je suis pas pressé. Bon, il y a une partie roulante qui arrive. On va pouvoir récupérer un peu dessus, la partie roulante. Parce qu'il faut avoir, des fois je peux monter vers les deux bras. Donc, ça va, merci. Nico Dijoux se fait soigner pour une douleur au tendon rotulien et repart pour les 60 derniers kilomètres. Sébastien Chéniaud, double vainqueur du trail du Verdon, pointe son nez dans le top 8, suivi de Jean-Maurice Henry et Chico Pignolet. Maintenant, les passages se succèdent, mais après 80 km de course, les organismes sont de plus en plus éprouvés. Plus le départ, je ne suis pas dedans là. Trop accumulation, je pense. Hein. Ben. Mais là, ça commence à être fatigué.
commence à être dur. Vincent Delebarre poursuit sa cavalcade solitaire à travers le cirque de Mafat et pointe à 14h53 à Roche-Plate, au kilomètre 92. Mais l'homme de tête semble assez éprouvé à son départ. Salut Vincent, à samedi ? Allez Vincent. Richeville-Esparon tient le coup à presque 10 minutes. Lancé à la poursuite du premier, il ne s'attarde guère, mais quelques kilomètres plus loin, victime d'une terrible défaillance, il sera contraint d'abandonner. Charles-André Fontaine confirme l'excellente impression de Marla et fond sur ses adversaires, déconcertant de souplesse et de lucidité. Ouledi semble s'être refait une santé alors que Fontaine prend la poudre des scampettes. À la brèche, centième kilomètre, Sébastien Chéniaud crée la surprise en revenant à la sixième position dans un état de fraîcheur remarquable qui témoigne de sa parfaite maîtrise de la longue distance. Sur les sentiers techniques de Mafat, on se concentre pour déjouer les pièges et progresser vers la rivière au galet. Alors qu'à deux bras, au 114e kilomètre, se joue le tournant de la course où s'engage la bagarre finale. Delebarre arrive très éprouvé. Charles-André Fontaine a fondu sur lui, grignotant inexorablement son avance. Ben, je vais faire le mieux que je peux. Tu prends un ascendant, mais non seulement un ascendant psychologique avant l'ascendant de Dodane. La course est encore longue, je peux rien dire. Pour l'instant, ça va ? Encore de l'eau ? Ça va, pas de soucis, tu peux aller de crampe, là, on va pouvoir résoudre ce problème. Non, mais je vais bien m'alimenter. Mais pas le temps de faire massage de toute façon. Hein. Mais en tout cas, on te sent vraiment très confiant, optimiste. On dirait même un fontaine frais comme la rose. Là, il est en train de manger un sucre, deux sucres, un petit verre d'eau. Vincent n'est pas parti. Et il part tous les mêmes deux avec. On a tous les deux au micro de Radio Astorino là. Tous les deux, Vincent et et Fontaine, un final, tous les deux serait pas mal, non ? Ils se donnent la main. Ils saluent. Celui qui s'élance en tête est désormais irrésistible. Ça sera dur. Delebarre, vaincu et épuisé, déposera les armes au sommet de Dodane. Alors que le jour décline, annonçant la nuit proche, les coureurs solitaires s'apprêtent à entrer dans un autre monde, celui de la course nocturne, où abnégation et concentration sont les maîtres mots. Le poste de Bradoucy, tel un vaisseau suspendu dans le noir abyssal, recueille les trailers hagards sortis de la nuit. Nous sommes au poste du bras de Doucy et nous avons comptabilisé maintenant à 7h, à 19h40, 17 coureurs, concurrents. Vous êtes bien placé, hein ? Vous pouvez vous reposer, un bon petit massage et après vous reprenez... Là, en plus, t'as le temps. C'est jusqu'à dimanche. Abandonner non, hein. Non, c'est bon. Ça, c'est pas dans mon... Là, tu peux aller à un rythme... Mais reposer un petit peu. Mais un sûrement. Bon petit massage, et après, vous reprenez sans problème. Le deuxième, 6 Bravo. Ça va, vous êtes enfant? Ouais, vachement. Il y a de quoi manger là-bas et boire, s'il vous plaît. D'accord, merci. Bonsoir, par ici. Bravo. 2014. Ça va, Hugues? Ça pourra aller mieux? Oui. Ça ira mieux demain? C'est de la folie cette montée là. Ah ouais? mais c'est un petit peu là. Après, c'est. Pardon. Après, il y a deux ânes. Bon courage. Allez, bon courage. À 30 km de là, à 21h30, la nuit s'embrase à Saint-Denis,
Charles-André Fontaine remporte cette 13e Diagonale des Fous en 19h49. La foule immense, impatiente, célèbre avec démesure l'exploit hors du commun d'un homme qui voit s'accomplir son rêve. Ma victoire, c'est pour ma famille. Et... 1h20 plus tard, Wilfried Houledi prend une superbe deuxième place. Bah, ça dépend de la mécanique, ça tourne bien. Ouais. Au terme d'une fantastique remontée, Sébastien Chéniaud signe la 3e place à 3 petites minutes d'Houledi. On était là par équipe et il s'avère que le 3e de notre équipe s'est cassé les côtes. Donc malheureusement, on a pris la décision de faire une course individuelle. Mais c'est pas facile. Minuit, deux bras, un à un, les coureurs sortent de l'entre-noir de Mafat. C'est passé assez bien. Mais bon, quand il fait nuit, fais attention au milieu des pieds. Bonsoir. Ça va? Ils sont chaleureusement accueillis par les dizaines de bénévoles qui sont à leurs petits soins. Kiné, podologue, médecin. Sandrine Béranger vient de passer Daniel Zeroc et prend à cet instant la tête de la course féminine. La deuxième moitié dure. Après, Sillaos, dure quand même. Hein. C'est long, c'est trop long. Oh, bah, non, c'est monstrueux ce que vous venez de faire là. Bah, quand même. C'est pas fini. C'est pas bon fini. Ouais. Allez, j'y vais. Ah bon? Tout est prévu pour soulager les corps usés. Et c'est souvent ce petit plus. Voilà. Ce soutien moral, ce coup de pouce qui donnera l'énergie suffisante pour repartir. Hein? Merci. À bientôt. Christine Bénard, troisième depuis l'abandon de Simone Kaiser, poursuit sa course calée comme un métronome sur un rythme qui lui est propre. Ça a été trop dur dans ma tête. Si, quand même. On fait avec. Ok. Et bonne fin de soirée. Alors que le jour se lève sur la rivière des Galets, cueillant les raideurs au terme d'une nuit éprouvante, l'aube naissante fête la victoire à la redoute de Sandrine Béranger après 27h24 de course. Très très contente, je pensais que quand j'allais arriver, j'en ai rêvé toute la course, je pensais que j'allais m'effondrer et pleurer, puis non, finalement non. Une heure plus tard, Daniel Zeroc prend la deuxième place. C'est la première fois que je fais mon arrivée sur les salles de la redoute, et j'apprécie, et je voulais ce t-shirt là. Voilà, je l'ai, c'est bon. Mission accomplie, je reviendrai plus. C'est Christine Bénard qui monte sur la troisième marche après une course à la régularité exemplaire. Près de 1000 coureurs sont encore disséminés en trilette aux Orangers et la Redoute. Il leur reste 30 heures pour regagner l'arrivée dans les délais, aller au bout d'eux-mêmes pour pouvoir dire... Je l'ai fait. J'ai survécu. On a 12 km à faire avant le prochain ravitaillement. Il est assez loin. Voilà, on a mangé. Ça va bien pour vous ? Ça va aller, ça va aller, ça va aller. De toute façon,
J'ai le moral, ça va. Alors, au ravitaillement du Colorado, comment ça va pour vous? Beaucoup de douleurs, beaucoup de bobos. Ah oui, vous souffrez? Je souffre beaucoup. Vous allez finir. Ah, c'est l'objectif, c'est ça? Terminer à la route. Ça y est, prêt pour les 5 derniers kilomètres? Bah oui, c'est un peu ce que je redoute. J'aurais préféré monter plutôt que de descendre, j'ai pas mal d'ampoules. Mais bon, quand on voit l'écurie... 62 heures après avoir quitté Saint-Philippe, les 4 derniers trailers sont accueillis par une foule enthousiaste et admirative qui salue leur entrée dans la légende de la Diagonale des Fous. Les gens trouvent du bonheur, trouvent du plaisir dans une épreuve qui est certes très difficile, qui est très dure, qui le restera comme telle, mais cette joie, ils la puisent à eux-mêmes. Avec, bien sûr, les encouragements des extérieurs, ces bénévoles, on ne les refait pas. C'est une grande chaîne de fraternité, on ne peut que s'en réjouir. Il y a des choses quand même qui sont très belles à la Réunion, et l'épreuve de la Diagonale des Fous en est une, pourvu que ça dure.